Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e épisode des Difficiles Aventures. On se retrouve sur les rails, sur les magnifiques, les belles, les douces, les enclumes, au milieu de la zone contemporaine. Et vous voyez que je peux me la jouer un petit peu. Je marche pour faire l'introduction. Mais en fait, on va pas aller très très loin, on va s'arrêter un petit peu sur la zone que vous voyez derrière moi. Oh, je suis tombé de mon enclume. Alors, waouh, pas facile de revenir en mode F5. Donc, vous avez vu pendant la petite intro que j'ai créé cette petite déviation. Et oui, la dernière fois, j'avais fait des rails qui allaient tout droit. Et en fait, j'avais oublié que Juju voulait faire un petit quai de chargement pour ses bûches, pour tout le bois qui sortira de la scierie. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire ce petit embranchement. Donc, vous voyez, il y a un petit système d'aiguillage. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait de l'autre côté. Tout là-bas, là-bas. Donc, on avait fait à peu près le même système pour qu'il y ait deux voies de chargement des containers. En tout cas, voilà. Donc, c'est tout simple. Mais il fallait le faire. Et puis, du coup, je voulais vous le montrer. Alors, revenons un petit peu plus du côté de ce port. Le port de pêche vous a beaucoup plu. Donc, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires et puis pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez apportés. Je vous le montre comme ça aujourd'hui un petit peu aussi sans les shaders, que vous voyez un petit peu la différence. Mais même sans les shaders, je trouve que ça rend toujours aussi bien. Donc vous avez bien aimé les bateaux, vous avez bien aimé les filets, et vous m'avez donné quelques petits conseils, à savoir de mettre une texture sur les bannières que j'utilise pour les filets. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, et je vous encourage très très fortement à me suivre sur Twitter, voilà ce que vous avez pu voir, donc quelques tests de bannières. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire la bannière que vous préférez. J'ai déjà noté un petit peu les résultats sur Twitter, parce que vous êtes nombreux à m'avoir donné déjà votre avis. Donc on va commencer par la gauche, hein. Barrière numéro 1, 2, 3, 4, 5. Dites-moi s'il y en a une que vous préférez pour faire cette espèce de. Bah, de texture de filet. J'ai utilisé donc de la brique, comme vous me l'avez conseillé. C'était une très bonne idée. Après, je pense que j'utiliserai les deux ou les trois bannières qui arriveront en tête des sondages pour faire différents types de filets sur les bateaux. Voilà pour les bannières. Donc, c'était une excellente idée. N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter parce que je pense que je fonctionnerai de plus en plus comme ça. C'est-à-dire que pour réagir rapidement aux commentaires que vous faites à la sortie d'une vidéo, c'est plus facile pour moi de faire une petite modif, de mettre la modification sur Twitter, de vous demander votre avis sur Twitter. Parce que si j'attends 15 jours pour avoir votre rendu, réponse, pardon, et bah c'est un peu difficile, hein. Donc du coup, autant faire comme ça. C'est pareil, vous m'aviez proposé pour le vraquier de faire une petite cheminée, mais cette cheminée, apparemment, c'était pas exactement ça. À quoi vous pensez? Donc, certains d'entre vous m'ont dit d'utiliser plutôt de la laine noire, de faire une cheminée noire comme ça, et au-dessus de mettre une barrière. Enfin, pas une barrière, mais si, une barrière en cobble, c'est ça. Alors, on peut faire comme ça. Ou alors, on peut faire directement comme ça. Mais là, c'est peut-être un peu bas, du coup. Faut peut-être monter ça. Mais non, pas la torche. Faut peut-être monter ça un petit peu plus. Comme ceci. Ouais. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez. Alors, je peux pas prendre trop de recul. Est-ce que vous préférez cette cheminée-là, faite entièrement en cobble? Ou cette cheminée-là, faite à moitié en laine noire et un petit peu en cobble? Sachant qu'on peut peut-être. Non, je suis pas sûr que ce soit mieux. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est en mettre deux blocs de cobble. On va essayer ça. Ouais, ça fait peut-être mieux comme ça. Ouais, je pense que ça fait mieux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, sinon, que va-t-on construire de beau? Eh bien, en fait, je vais vous montrer le résultat de plusieurs lives de construction. Et donc, on va tout d'abord partir vers la gare abandonnée, puisqu'avec Ger et Juju,
Nous avons fait pendant deux ou trois lives, deux lives je crois, un travail assez important de terraforming, donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite, si on a le temps, on ira faire un tour en Égypte, parce que là aussi il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en live. Et si vraiment, vraiment vous êtes chanceux et qu'on a vraiment beaucoup de temps, eh bien on reviendra un petit peu ici. Je sais que vous avez été nombreux à me dire de déplacer cette écluse. Donc on verra ce qu'on peut faire. Allez, on se retrouve dans la zone de la gare abandonnée. Et voilà, on se retrouve dans la gare abandonnée, tout près du spawn. Et donc vous avez pu voir le time-lapse de la construction de toute la montagne avec Ger et Juju. J'espère que tout ça vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien amusé à faire tout ça. Et vous voyez que le rendu de la montagne est beaucoup plus sympa maintenant qu'on est avec de la végétation sur la colline. Ça rend bien.
On avait juste aussi carpétisé l'intérieur des tunnels par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc du coup maintenant c'est non spawnable. Faudra juste qu'on gère un petit peu l'éclairage. Vous voyez qu'il y a encore plein de torches, hein. Enfin il y en a partout. Mais on verra ça quand on fera de l'éclairage invisible, on va dire. Ce qui reste à faire aussi, c'est le raccord entre la gare abandonnée, notamment entre la verrière et la colline. Mais ça, on retravaillera ça un petit peu plus tard. Alors, on va maintenant monter sur la colline, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, toute cette zone était plutôt bien sympa avec de la végétation, voilà, sur les bords de la colline. Ça rend super bien. Je sautille comme un fou avec le boost jump que je viens de perdre. On avait fait aussi passer vite fait la météo pour avoir de la neige. J'ai pas encore fait tomber la neige suffisamment longtemps pour qu'elle recouvre tout le sommet de la colline, mais vous voyez que ça rend plutôt naturel, hein. On a quand même une montagne qui rend bien. Vous avez pu le voir lors du time-lapse. Il y a ce côté-là qui n'est pas encore fignolé. Il faudrait que je rajoute un petit peu d'herbe, un petit peu d'arbre de temps en temps. Mais bon, c'est pas urgent. Et puis c'est pas un côté que l'on verra beaucoup. Non, franchement, le côté le plus joli, c'est celui-là, qui rend très très bien. Et avec Juju, on avait décoré en mettant cette petite cascade qui rend super bien. Et Juju avait eu l'idée à cet endroit-là de faire comme un mini canyon. Et ça aussi, ça rend très très bien. Et du coup, la rivière, voilà, passe par là. L'herbe a pas eu le temps de disparaître, tiens, ici, avec la flotte. Bon, ça disparaîtra. Comme ici, ça a déjà disparu, ça disparaîtra. Et la petite rivière rejoint tranquillement cette étendue d'eau. Ici, voilà. On est au pied de la gare abandonnée. Et vous voyez que la vue est quand même sympa. Et du coup, eh bien, on avait aménagé tout ce petit fil d'eau. Et comme ça, il continue à travers la vallée. On a fait des petits étangs comme ça. Il y a des petits rochers sur les côtés. Ça descend tranquillement. Et du coup, on arrive dans un grand lac qui est plutôt sympa et qui est un lac pour le coup complètement naturel. Et ce grand lac, il est juste à côté de ma première base. La base qui a vu naître. Enfin, oui, la base qui a vu naître carrément quasiment le serveur, elle est là. Bon, on va pas y aller parce que voilà, c'est ma première base, elle est complètement abandonnée. Elle ressemble pas à grand chose, il n'y a pas de style vraiment prédéfini. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai de cette base, si je la raserai ou si je la laisserai comme un souvenir, mais j'ai pas l'intention d'y retourner vraiment. En tout cas, moi j'adore ce qu'on a fait ici. Le terraforming est vraiment très 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 sympa. Et cette petite rivière qui n'était pas du tout là au début, elle s'intègre très très bien dans le décor. Et franchement, elle rajoute un grand plus à la zone de la gare abandonnée. Et vous voyez que quand on arrive avec cette gare qui se dessine en haut de la vallée, ça rend vraiment très très joli. Franchement, je suis très content de ce qu'on a pu faire ici. Et du coup, maintenant que le terraforming est quasiment terminé, eh bien, quand on retournera sûrement en live dans la zone, je pense que ce sera pour fignoler, comme je vous l'ai dit, le toit et la jonction entre la montagne et la gare, et surtout pour rendre la chose quasiment terminée, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on casse des choses, qu'on la fasse abandonner. Enfin, ça sera très sympa. Bien, et bah du coup, je pense qu'on a le temps de faire un petit crochet par l'Égypte, et donc on se retrouve tout de suite dans la zone égyptienne pour découvrir les avancées dans les champs irrigués, un petit peu à l'écart de la cité égyptienne. Allez, à tout de suite.
Et voilà, on se retrouve en Égypte près du portail du Nether. J'espère que la cinématique, le timelapse, tout ça vous a plu. On se retrouve ici parce que je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le plan, sur la carte. Ici, il y a très 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 longtemps, donc j'avais aménagé un plan de la zone et je voulais vous montrer. Donc en fait, ce que vous avez vu, ça correspond à peu près à cette zone-là. On a aménagé les champs par ici, on a fait le petit pont qui se trouve là. Et ensuite, on a travaillé sur toute cette zone-là avec les vignes qui sont ici. On va y retourner faire un petit tour. Puis je vais vous donner un petit peu des explications. Et donc, on a toute cette zone-là. Donc finalement, ça fait une bonne petite zone qui a été faite ces derniers temps en Égypte. Ça fait plaisir de revenir en Égypte. Ça faisait très 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 longtemps. Alors du coup, on va en profiter, je vais vous montrer, j'ai fait un petit chemin, enfin j'ai prolongé le petit chemin, du coup maintenant on peut sans problème passer de la ville jusqu'à la zone qu'on vient de faire. On va passer par ici, on va voir s'il y a encore la Yamakavash, est-elle toujours là? Elle est toujours là! Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, allez voir la rediff de live. En tout cas, voici donc le petit chemin, donc j'ai pas encore travaillé la porte ici, il faudra faire une porte un petit peu plus soignée, là pour l'instant c'est juste une ouverture, mais par contre le chemin je le trouve assez sympa, donc un mélange de cobble, de gravier, de terre stérile et puis de temps en temps des petits escaliers pour faire quelques petites aspérités, quelques petites irrégularités. Je trouve que ça donne plutôt bien. Du coup on passe derrière la petite ferme qu'on avait fait il y a bien longtemps avec Kira. On passe aussi derrière les champs. Je ne sais pas si c'est la limite définitive des champs irrigués, mais bon, on verra bien. Et là, du coup, donc, on arrive sur le pont que vous avez pu voir pendant le timelapse. Donc, c'est un petit pont archaïque, on va dire, un petit pont tout simple. Les Égyptiens n'étaient pas du tout des grands constructeurs de ponts. Ils ont construit beaucoup de grandes choses, hein, des pyramides, les temples, etc. Mais les ponts, ils n'en avaient pas trop l'utilité, dans le sens où, à part le Nil, qui de toute façon était trop grand à franchir, et de toute façon, ça aurait bloqué la circulation des bateaux, donc c'était pas vraiment concevable. Mis à part quelques ponts dans le delta du Nil dont on n'a pas retrouvé beaucoup de traces, et bien finalement il n'y avait pas beaucoup de ponts. Donc du coup partant de là j'ai cherché sur internet des représentations de ponts simples, et les ponts les plus simples que j'ai trouvés, bah, ce sont simplement des empilements de poutres mêlés avec un petit peu de mortier ou un petit peu de gravats pour soutenir le poids. Et vous voyez, plus on monte, plus les poutres s'avancent pour finalement faire une sorte d'arche, et encore, hein, c'est vraiment pas une arche très compliquée. Et puis au final, on a quelques planches qui sont disposées entre les poutres les plus rapprochées, et voilà, ça nous fait un pont archaïque très simple. Donc voilà, j'ai pas voulu me lancer dans un pont type pont romain, très construit, très recherché, parce que c'était pas du tout le cas chez les Égyptiens. Ils n'avaient vraiment pas beaucoup de ponts, donc voilà, j'ai fait un pont tout simple. Je vais passer assez rapidement sur toute la zone des champs irrigués, hein, puisque vous l'avez vu en vidéo, et puis voilà, ce sont juste des champs avec des petits chemins. Il n'y a rien de bien compliqué, ça prend du temps de planter toutes ces graines, mais au final, c'est pas le plus intéressant. On avait fait un petit grenier qui est. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau. On avait fait un petit grenier qui était très sympa aussi, toujours dans le même esprit que les greniers que j'avais déjà fait dans la zone qui sont plus loin, là vous pouvez les voir au loin. Et donc ce grenier est tout simple, on vient ici, on peut se servir en blé, le grain tombe par cette ouverture, et sinon on charge par le dessus. Alors là j'ai mis des coffres, hein, mais on peut imaginer voilà, que l'on peut charger ici. Et puis un viewer m'avait dit pendant le live de mettre un petit espace comme ça en cobble pour moudre un peu de grain, ou pour faire sécher des choses, ou tout simplement pour stocker provisoirement. J'ai trouvé ça très sympa. Et puis donc comme d'habitude on a fait la petite tonnelle en laine pour protéger le tout du soleil. Donc ce petit grenier est bien sympa. Et puis la pièce maîtresse que l'on a travaillé beaucoup avec Ger, c'est cette partie-là qui correspond en fait à des vignes. Alors j'ai fait quelques recherches et en Égypte ancienne, il y avait des vignes. Elles n'étaient pas très très nombreuses. Les Égyptiens, en termes d'alcool, buvaient surtout de la bière, mais l'usage du vin s'est développé de plus en plus au cours de l'Égypte ancienne. Je crois que quand les Grecs, puis surtout les Romains sont arrivés en Égypte, la culture du vin
romain s'est quand même bien développé dans le coin parce que les Romains aimaient ça. Et il y a eu pas mal de vignobles du côté du Fayoum. Donc si je dis pas de bêtises, c'est à l'ouest de l'Égypte, dans une région au bord d'un petit lac qui ensuite rejoint le Nil. Et du coup, c'était des endroits, les vignobles, très contrôlés par les autorités égyptiennes. Il y avait vraiment une administration très forte pour savoir combien de plants de vigne étaient plantés, combien d'amphores de vin étaient produites chaque année. Donc, on imagine qu'ici, bientôt, il y aura une ferme. Une ferme un petit peu plus riche, un petit peu plus protégée que les fermes que j'ai pu faire ailleurs. On verra ça bientôt, je l'espère. En tout cas, voilà, donc ces petites vignes, elles sont entrecoupées de piliers en pierre. Et il y a des représentations sur des fresques, dans des tombeaux, de ce genre de vignes, donc qui sont soutenues par des piliers solides. Et puis ensuite, il y a des pergolas, des tonnelles qui soutiennent la vigne. Et puis les Égyptiens récoltaient le raisin. En dessous, là on a fait donc des petits canaux, un de chaque côté, qui sont plutôt sympas, et puis voilà, ça irrigue la zone. Par ici, on a fait donc un réservoir. L'idée, c'est que les Égyptiens du coin se servent en eau douce dans la rivière qui se termine ici, mais on l'agrandira en fait. Ici, vous voyez qu'elle est bien large, et je pense qu'on l'élargira pour que ici ce soit une sorte de delta. On fera ça, je pense que ça fera assez sympa ici. On fera une sorte de delta et puis une carrière de sable, mais j'y reviendrai plus tard. Restons sur le réservoir. Donc, les Égyptiens utilisaient beaucoup les chadoufs. Donc là, on a fait une sorte de grand chadouf qui permet donc de remplir le réservoir en eau. Donc, Ger a fait ça très bien avec un petit système pour protéger l'eau de la lumière du soleil. Et puis, on va passer en dessous. Du coup, à partir du réservoir, on peut irriguer toute la zone. Et juste en dessous, il y a un petit embarcadère, débarcadère qui est plutôt sympa avec plein de petits détails. Et on a une jolie vue sur le chadouf, sur le réservoir qui fait assez gros. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'affiner davantage étant donné la hauteur à laquelle il était. Mais du coup, on a rajouté pas mal d'aspérités, on a rajouté une petite passerelle en bois, des planches pour faire un petit côté imparfait. Ou rafistolé, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans l'Égypte. Et voilà, donc ça donne une zone plutôt sympa, même franchement très sympa, avec le soleil couchant. En plus, les couleurs sont particulièrement jolies. Il y a plein de petits détails et c'est assez réaliste historiquement, donc c'est ce que j'aime bien. Après, dans la zone, du coup, les champs ont vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Et c'est ce que j'aime ici, c'est que les champs sont vraiment très grands, enfin très étendus et très sympas. Donc voilà, j'espère que cette petite visite, ce retour en Égypte vous plaît. On y retournera bientôt pour finir la ferme, pour finir la demeure du vignoble. En attendant, on a peut-être le temps, allez, de se faire un petit crochet par la zone contemporaine. Mais je pense que ça va nous servir de générique pour terminer l'épisode. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt les amis pour la suite des difficiles aventures. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour rester à l'écoute de tout ce qui se passe sur le serveur. Il y a plein de screenshots par exemple de Corfandar si vous voulez suivre l'avancée de ses travaux. Et puis surtout, j'y fais toutes mes annonces de live. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses en live. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à rester bien sûr abonné à la chaîne. En attendant, donc je vous laisse avec un tout petit timelapse de la zone contemporaine et on se dit à la prochaine. Salut, salut !